commerce de la mémoire. Qui ? La mémoire donne vie, vive la mémoire. Monnaie d'échange. Qui donne les noix de cola ? Ils te donnent la possibilité d'entrer dans la cité. Tu leur donnes des politesses, ils te permettent de les écouter. Tu leur donnes des poignées de main ou de regard, ils te font visiter leur demeure. Tu leur donnes l'affection, ils te rendent l'image des amours possibles. Tu offres l'autorité, ils acquiescent la valeur imaginée de la vérité. En revanche, n'oublie pas, l'absence de tout sacrifice fait disparaître leur nécessaire hospitalité. Tes mains coupées ne peuvent leur donner ce qu'ils attendent. Tes mains coupées les font disparaître. Tes mains coupées ont toujours imaginé les services offerts, pas d'échange. Tes mains coupées coupent les possibilités, te ramènent à l'inconfort d'un immédiat à vivre sur le vide. Tes mains coupées coupent les sourires que tu partageais. En échange, c'est l'avenir qu'ils te promettaient, et la promesse suffisait. Tes politesses disparues te retirent l'occasion d'être écouté comme de les entendre. Nous fabriquons les souvenirs sans cesse renouvelés dans la marche de la succession. Nous nous fabriquons dans l'échange, en l'absence de transfert, en l'absence d'achat. Ils te laissent devant la porte close. Tu comprends là que l'avenir est un achat. On s'achète avec la monnaie des prières. On s'achète avec l'espoir comme valeur. Le monde est fondé sur les mains. Si elles étaient coupées, il y aurait la possibilité des prières sans main. Il y aurait l'odieuse impression d'être rendu à l'immédiat séparateur, car l'immédiat est toujours séparateur. Il y aurait l'impression d'être rendu à vivre entre deux générations d'imagination, entre la vente et l'achat, entre les mémoires et les avenirs, entre les projets et les bains qui les ont projetés. Il y aurait l'ignoble impression de n'être plus dans l'histoire des nombres. Nous fabriquons les mémoires pour faire partie de l'histoire des nombres. Nous les fabriquons pour croire au continu. Nous nous faisons histoire par la prière faite à l'avenir. Dans l'échange, tout est bouclé. Dans l'échange, le confort et la graisse liant les os. Dans l'échange, nous sommes sûrs d'être dans l'ensemble unique de notre imagination. Nous nous fabriquons et nos prières s'adressent à nous-mêmes. Nous ne saurions vivre sans acheter nos possibles. Nous ne saurions vivre entre deux os, sans lien. Garde-toi de perdre la mémoire. C'est autant de possibles qui te quittent. C'est autant de promesses qui périssent. Garde-toi d'oublier la trace de ton corps. Elle définit ce qui advient. Tout se transforme. Le train avance, celui du continu. Les rails porte la valeur de l'échange. Le commerce de la charité. File 100 dollars. Je le fais. Je me suis rapproché de toi. Ce n'est pas que je souhaitais te prendre, c'est juste qu'en te donnant ma présence, je peux m'écarter de la mienne. Epsilon. C'est juste cela. Déployé en moi. Le sexe long de la charité. Pas une pute, non, juste un membre long comme le devoir. Gesticulant en tous sens, mais toujours dans la mesure du don. Il me demande, je lui donne des cochons, des bisons, des toiles et des femmes, de l'humanité. En somme, il paraît qu'il faut être humain. Il paraît, même si cela ne va pas de soi, comme le café, quelle invention, ou faire l'amour, quelle étrange possibilité. Le membre articulé en plusieurs moments, le bon, la brute et le truand, il me faut être bon. Je m'approche de celui qui m'est différent, je m'approche de son ressort, car selon ses ressources, il a du ressort. On m'a appris à faire, à venir vers toi. Tout seul, je n'aurais jamais su. Il me faut être brute. On m'a appris à vivre. Sans cela, je n'aurais été que désinvolte de donation. Toutes les secondes du vivre me seraient passées sur le corps. On m'a appris à vivre, car sans le membre important de ta présence, je n'aurais pas su que tu étais là. Qu'y a-t-il de plus fort qu'un sacrifice bien mesuré ? Un sacrifice dans l'espoir d'un équilibre de l'existence. D'une morale, puisqu'il s'agit d'addition et de la somme de toutes les donations, puisque nous sommes dans le commerce des nombres et des charités, tu comptes les grains dans le sablier. Puisque nous sommes dans la valeur donnée aux membres, il me faut être truand. Quelle force m'est-il possible de lui donner ? C'est un retour. Tu comptes les grains, les poules et les œufs, tu comptes, tu fais de la valeur ce qui te distingue de l'autre. Epsilon, je t'aime. Tu fais du commerce ce qui te distingue. La blague, oui, c'est une blague en somme, c'est juste pour parler, pour compter les mots. Quelle valeur pour la charité, 100%. Quel degré de solitude en échange de ta présence ? File 100 dollars, 100 exemples, 100 mots de ta présence. Tu fais de l'impuissance, ton membre n'avance pas vers l'autre. Tu ne te maries pas, tu aurais voulu connaître la simplicité de l'échange, ou plutôt du don sans retour. De l'échange de rien, c'était possible, il ne fallait que se taire. Ta mémoire compte, il avance avec son membre, 3 fois plus lourd que son propre cœur, 10 fois plus lourd que sa propre vie, 100 fois plus lourd que l'idée de l'existence de l'autre. Il n'y a pas de précipice. L'autre est là, simplement, l'autre te désigne, tu le prends dans la nature simple de l'échange. Tu lui prends sans dire moi, tu lui donnes sans dire sable. Les yeux se lovent, les bras se lovent, les pièces et les muscles se lovent. C'est l'avarice de l'amour, je pars vite. Il n'y a là que des actes sans mots. Tu ne comptes pas, je ne compte pas. Il n'y a pas d'avarice car tu es tout le monde. Je ne te rencontrerai plus. Je donnerai à toutes et à tous sans discrimination. Tu donneras à toutes et à tous.
Nous nous oublierons, tu es désintéressé, tu l'es, je ne te sens plus en moi. Tu es tout le monde, mon amour délicieux, tu es tout le monde. Mais dans le passage des êtres et des astres, dans l'immédiat séparateur, il y a l'autre qui nous a fait oublier notre point de vue. Devant moi, le paysage de l'autre. Devant moi, la possibilité de l'autre. Devant moi, la possibilité de ne plus être extérieur. Ce n'est pas la distance qui sépare, mais l'immédiat vécu. C'est la pensée du réel qui sépare. Il avance avec son membre charitable, qu'il donne à qui le veut. Cela, il n'a jamais été utile de me l'enseigner. C'est avec une certaine jouissance que je vais à votre rencontre. C'est avec et sans échange que je me permets de m'adresser à vous. Le commerce est commencé, la fête est entamée, le membre est nommé. Il apparaît pour donner la valeur aux choses et aux êtres différents de moi. Le membre, comme un sexe inutile, je le répète, il n'a jamais été question d'apprendre à quoi servait de se reproduire. Mais c'est avec beaucoup d'ignorance que j'imagine la population. Puisqu'il ne m'a jamais été donné de comprendre à quoi ça sert, sinon à donner simplement, je donne simplement dans le commerce des âmes, dans le commerce de la valeur, ce qui est donné au don, car c'est bien de cela dont il s'agit, de l'offre qui est faite au don, des mots qui lui sont offerts en sacrifice, des mots qualifiant l'offre, et dont les mauvais, comme les philosophes, se targuent, epsilon. C'est une valeur ajoutée à mon amour. La morale est une valeur ajoutée. Le membre a le nom de la valeur donnée. La parole ouvre toujours la porte, mais il est déjà trop tard. C'est le commerce de la charité. Ce matin, je viens vers toi avec l'idée de te donner la valeur de mon membre. Tu n'y comprends rien, parce que tu es tout le monde. Je te parle de valeur alors que tu n'attends que l'action de mon affection droitement dirigée vers toi. Tu n'attends pas de mots. Je viens vers toi, mon échange, rien. Car le membre n'attend rien d'autre que son propre épanouissement. S'il donne, c'est pour lui-même, pour récupérer quelques mots. C'est le commerce des mots rassérés, non. C'est le nom que ton membre a donné au mien, de la valeur ajoutée. La longueur et le poids sont de la valeur ajoutée. C'est moral. L'arithmétique du corps relatif est chose morale. Mon approche n'était pas vaine, l'onanisme n'était pas vain. Il me fallait aller vers toi pour comprendre à quoi bon donner. Il me fallait donner un nom à ce qui me rapproche de toi, du pourquoi. Initialement, je me suis rapproché de toi. Ce n'est pas que je souhaitais te prendre, c'est juste qu'en te donnant ma présence, je peux m'écarter de la mienne. C'est juste cela, epsilon. C'est juste de cela dont on parle. En allant vers toi, en te serrant avec mon membre proche de toi, je me suis lié à toi, car en matière de charité, en se liant, il n'y a plus qu'un seul être. Le commerce s'annule au commencement de l'action. Je me suis lié à toi et je me suis oublié. J'ai oublié la valeur de l'échange. J'ai oublié qu'il m'avait fallu apprendre à faire l'amour. J'ai oublié qu'il ne m'a jamais été utile d'apprendre à aller vers toi. Inutile. Les mots seuls m'ont permis de m'élever au niveau de tes lèvres. Celles qui m'ont libéré de l'impression de mon immédiateté. Je suis désintéressé. Mon membre est désintéressé. Mon étreinte est désintéressée. Ce n'est pas parce qu'il y a mesure qu'il y a des comptes, tic-tac. Ce n'est pas parce qu'il y a des membres enlacés qu'il y a des intérêts, tic-tac. Je viens vers toi et t'aime parce que je n'existe pas, tic-tac. Seule ma parole avortée existe. Les nombres tombent dans le sablier. Les membres se disent dans l'étreinte et se disent dans le sable, tic-tac. Tu donnes à toutes et à tous. Nous nous oublions. Tu es désintéressé, tu l'es. Je ne te sens plus en moi, je ne t'introduis pas. Tu es tout le monde, mon amour délicieux. Tu es tout le monde, et c'est pourquoi tu es pérenne, mon délicieux amour. Merci. On se réveille dans le noir et ça ne change rien. Ça ne change rien. Le noir des yeux fermés se fond dans le noir de la chambre étalée devant les yeux ouverts. Face à soi, on ne trouve qu'un mur noir coulissant du soir sur le jour, l'opacité invisible de la nuit encore. De l'autre côté de la fenêtre, le bruissement continu du dehors, du matin qui va...